Les milliers de Greenland et Nuel sont bien silencieux ce soir. Ça, quel plaisir, s'est réjoui Damien Rieu en postant sur X un photomontage de lui tenant le ballon d'or. En mai 2022, Karim Benzema avait attaqué en justice le militant d'extrême droite pour diffamation publique. Ce dernier avait publié une photo de l'attaquant l'index en l'air, aux côtés de celle de djihadistes effectuant le même geste. Il a bénéficié d'une relaxe. Le parquet de Lyon avait requis une amende de 10 000 euros contre Damien Lefebvre, son vrai nom. En juin dernier, le procureur avait évoqué une insulte à l'égard de ceux qui luttent contre le terrorisme islamiste et de ceux qui en ont souffert dans leur chair. Le tribunal correctionnel lyonnais a estimé que les propos, même diffamatoires dans les termes, pouvaient bénéficier de la bonne foi, ce qui entraîne la relaxe en matière de presse, comme le décrit l'AFP. Sylvain Cormier, l'avocat de KB9, crie au scandale. Accorder la bonne foi à Damien Rieu, c'est une aberration, a-t-il réagi après le verdict. Le représentant de Benzema assurait en juin dernier que se moquer de Benzema était possible, mais que l'associer à un terroriste, ça, on n'a pas le droit. En tout cas, c'est la fin de cette petite bataille judiciaire. Elle est gagnée par celui qui est l'un des leaders de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour.